Depuis plus de 40 ans, Equitas forme les défenseurs des droits humains afin qu'ils et elles puissent contribuer à un changement positif dans leur communauté. Les programmes d'Equitas, tels que le Programme international de formation aux droits humains, permettent aux participants de devenir des citoyens engagés et efficaces dans le développement de leur communauté. Educators, we are human rights defenders. Respect for human rights has to begin with us. My name is Yusra Mustafa. My project called Promotion of Women's Rights in Egypt. To work together and to develop a vision about what we need exactly. When you be part of international human rights community, this experience we can get from Equitas. Mon nom est Patrick Camille, je viens d'Haïti. L'EGAL est une organisation de droits humains axée sur la thématique de la migration et particulièrement de la migration entre Haïti et la République dominicaine. Le support d'Equitas est considérable dans mon travail, tant sur le plan personnel qu'au niveau de l'organisation. Personnellement, quand je suis arrivé en 2002 comme participant au PIFDH, donc j'étais très étonné. J'étais très étonné par le format de la formation. J'avais participé à plus d'une dizaine de formations auparavant, mais jamais je n'ai été aussi conscient de ce que je peux faire, de la force que je représentais en tant que militant et en tant qu'éducateur en droits humains. My name is Alena Horova. My name is Roman Koval. And I'm from Ukrainian Center for Common Ground. We work in juvenile justice reform in Ukraine, and due to Equitas, we actually were able to organize a regional human rights training session. Any social transformation starts from person, and right now for me it's very important to create a space for participants to start the process of personal transformation. Je suis Justine Masika Biamba. Je viens de l'Est de la RDC. Je milite pour le droit de la femme victimes de violences sexuelles. Arrivée ici, j'ai compris qu'ils avaient une méthode participative. Et c'est plus ce qui m'a beaucoup intéressée, puisqu'on puise plus de participants et ça nous aide à avancer. Donc moi, je vais plus gagner de ces femmes avec lesquelles je passe toutes mes journées. Et là, ça va m'aider à orienter mon travail. My name is Dr. Sabir Michael and I'm from Pakistan. I'm here in Equitas representing my organization as a president. We give the voice to the voiceless people through the street theater by engaging them. I think one of the beauty of this course at Equitas is that we are the people from different cultures. It seems to me that music is a way through which I can communicate my message to the people of other cultures, and even I can share my joy with others. Get up, stand up, stand up for your rights. Je m'appelle Chrysogone Zougmore. Je suis le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Ça m'apporte un plus dans ce que je fais à travers mon organisation. Un plus pourquoi? Parce que ce que j'apprécie au niveau de Equitas, c'est d'abord cet esprit de partage. Je m'appelle Luis Claudio Selma. Je viens du Paraguay, de l'organisation qui s'appelle Global Enfance. Me rencontrer avec l'Equitas et sa proposition de travail de la méthode participative pour l'éducation aux droits humains, ça a été très important pour moi d'y trouver ici au programme une systématisation rigoureuse de chaque pas de travail. My name is Suzanne Ngubane, I'm from South Africa. The Rural Women's Movement is a land rights organization looking specifically on women's land, property and inheritance rights. I would like to thank Equitas for this initiative. It's a great thing to be
with people from Iraq, people from Africa, people from Asia, and learning from their experiences. It would have been very impossible for me to be able to connect with them without the assistance of Equitas. That on its own is very powerful. Grâce au programme international de formation aux droits humains, Equitas a formé un réseau global, toujours grandissant, de défenseurs des droits humains qui compte aujourd'hui plus de 3200 personnes. Des milliers d'autres sont éduqués sur les principes des droits humains et adoptent les valeurs des droits humains. Nos participants intègrent cet apprentissage dans leurs propres activités et dans des programmes de formation spécialisés mis en place par des réseaux régionaux et nationaux composés de nos anciens participants et utilisant le modèle